ce dont on va parler aujourd'hui, donc c'est la partie, Viewing Room, la visualisation in situ, pouvoir visualiser une œuvre en live dans un environnement ou prendre une photo de son salon à la maison par exemple et ensuite visualiser diverses œuvres qu'on a vues par exemple sur le salon aujourd'hui. Donc l'application iOS Android, elle est également visible sur la partie web. Et puis pour chaque œuvre, un QR code est généré automatiquement, comme on le voit ici pour cette œuvre avec ce QR code. Et puis sur celle-là. Donc, j'ai passé maintenant sur la partie mobile. Donc si je suis dans la foire, je vois une œuvre qui est présentée par exemple avec ce QR code, je m'approche, je vais essayer de scanner. Donc j'arrive directement sur l'œuvre dans l'application. Donc j'ai les informations sur l'artiste, j'ai les dimensions de l'œuvre, j'ai le prix, s'il est affiché ou pas, la technique, le matériel, et des informations supplémentaires et diverses mises en situation. Je peux partager cette œuvre, je l'ai mentionné tout à l'heure, via le QR code ou simplement par un message sur WhatsApp. Ici, je suis passé tout à l'heure chez Théo Jacob, c'est le stand, je crois, 52, et je peux donc visualiser cette œuvre sur ce stand, je peux la déplacer, donc si c'est chez moi à la maison. Je peux également changer l'œuvre, et en un clic, je peux la visualiser chez moi, et ici, le détail de l'œuvre. Je vais passer maintenant sur la partie live. Il faut s'imaginer en fait que la personne projette mettant l'œuvre chez elle. Ça lui permet vraiment de se rendre compte de ce que ça peut donner. On a tout de suite une idée de ce que l'œuvre représente chez nous, aux dimensions, et aussi par rapport à la surface si on est en face. Et là, Nico est en biais, en fait, il arrive à positionner l'œuvre aussi en biais. Donc on a ces diverses possibilités, soit photographier son mur à la maison, l'enregistrer en quelques clics directement dans l'application. Soit on a des murs qui sont fictifs pour se représenter l'œuvre dans un intérieur, ou soit effectivement la partie live avec la représentation de l'œuvre directement chez soi. Donc là, le client a fait le choix de cette œuvre sur ce mur. Donc on a l'idée aussi avec la photo qu'il avait prise en amont. Là, on s'assure de bien centrer l'œuvre par rapport aux éléments qui avoisinent l'environnement. Donc la télé, le mur à droite. Là, il y a une dépose de scotch qui est faite sur le mur pour pouvoir prendre en fait toutes les côtes au crayon pour éviter de laisser des traces une fois que l'œuvre s'installe. Donc ça permet de vraiment laisser un mur sans trace après intervention. Juste le truc qui apparaît, pas de trace au fond. Donc comme on le voit, c'est une opération assez importante, donc le fait de pouvoir la visualiser en amont, il y a un certain gain de temps. Personne en fait du monde de là, pas que chez les particuliers. Client satisfait ses droits et il y a une certaine ressemblance également avec la visualisation in situ. Bravo!